Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonné, pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Amis, bienvenue sur mon channel, le Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque en Lion, d'accord? Pour la période du mois de mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les... Voyons voir ce qui se passe ici avec les lions. Alright, just please give me a reading for my Leo, please. Thank you so much. Hi, Angels, please give me a reading for my Leos. Can I please have a reading for my Leos, please, for the month of May 2020? Les lions. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous pensez beaucoup au mariage. Soit vous avez envie de vous marier avec une personne. Soit vous n'arrêtez pas de penser que quelqu'un est marié ou que quelqu'un avec qui vous êtes dans une situation est marié. Mais pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où j'ai l'impression que vous êtes ici en train de tomber amoureux d'une personne et vous avez envie d'épouser une personne. OK? Et il y a beaucoup de chemistry entre vous et votre partenaire, il y a beaucoup d'attirance entre vous et votre partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que c'est votre deuxième mariage, c'est la deuxième fois que vous vous mariez, vous êtes vraiment excité à l'idée de vous marier avec une personne. Vous avez l'impression que le moment est arrivé pour vous de tenter votre chance et de vous mettre en couple. C'est ici quelqu'un que votre famille approuve, c'est ici quelqu'un que votre famille aime beaucoup. On a la famille de cette personne-là, as well, qui vous aime énormément. Mais je ne sais pas pourquoi je ressens ici une certaine tristesse. En plein milieu d'une cérémonie de mariage. Parce que pour une certaine partie d'entre vous, j'ai même ici l'impression que vous avez envie d'entamer les démarches, etc., concernant le mariage. Et si vous n'êtes pas encore au niveau de préparer un mariage, c'est que c'est quelqu'un ici qui s'apprête à vous demander en mariage et qui veut vous épouser, qui veut faire de vous sa femme. Alright? I told you. Mais on est ici dans une situation où je... J'ai l'impression qu'au lieu d'être heureuse, au lieu d'être heureuse ou heureux de toutes ces démarches-là qui sont en train de se passer, de toutes ces présentations de famille-là qui sont en train de se passer, il est probable que vous êtes stressé parce que pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous ne savez pas réellement si oui ou non vous voulez épouser une personne. J'ai aussi l'impression que vous vous dites que vous êtes en train d'épouser la mauvaise personne. Même si vous avez... De l'amour ici pour une personne, de l'amour ici pour un partenaire.
C'est un peu comme si l'excitation de vouloir se marier, c'est juste, voilà, c'est là et tout. Mais plus les jours passent à se voir, plus vous avez l'impression de faire un mauvais choix. C'est un peu comme quelqu'un qui a toujours rêvé de se marier, et le jour où le moment est arrivé pour cette personne de se marier, on a cette personne-là qui commence à se rendre compte que peut-être que ce n'est pas lui que j'aime vraiment, ou peut-être que ce n'est pas avec lui que je dois réellement être. Ce pays, c'est un parti dans lequel on a ici un certain karma qui est en train de tomber sur une relation qui est en rapport à un mariage. On a ici quelque chose qui est en train de se passer par rapport à un mariage, une cérémonie de mariage, un mariage qui doit avoir lieu. Je vois ici quelqu'un qui est en train de douter. Here. Oui, c'est un parti dont vous faites attention. Il est probable que si jamais vous voulez demander une femme en mariage, il est probable qu'elle dise non. Ou encore qu'il y a ici des fiançailles qui soient annulées. Mais pour d'autres, par contre, on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui a l'impression de se marier avec un mauvais partenaire, mais qui va asseoir, accepter de fermer sa bouche et juste dire oui à un homme que elle-même, au fait, elle doute au fait d'être amoureuse de cette personne. Here. Si jamais vous êtes ici dans une situation où vous hésitez entre deux hommes en particulier, il est probable que celui qui veut vous épouser soit pas réellement celui que vous aimez, mais comme c'est lui qui veut vous épouser, vous avez l'impression en même temps que si jamais vous ne saisissez pas votre chance pour être dans un mariage avec lui, vous risquez de ne jamais vous marier. Oui, c'est un parti dont on est ici dans une situation, on a quelqu'un qui est sur le point de faire un choix très compliqué. Il est probable que vous soyez ici relié à quelqu'un qui a du signe zodiaque vierge et quelqu'un qui a du signe zodiaque bélier. Puis c'est un parti dont on a ici quelqu'un qui est vierge et quelqu'un qui est bélier qui sont sur le point de se marier. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous et votre partenaire vous vous mariez, j'ai l'impression que vous allez être très très stable financièrement. Mais c'est plus ici un mariage, que la femme voudrait faire à cause de certaines inquiétudes qui sont en rapport avec les finances. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que votre mari soit accountant. Comment on dit ça? Comptable, non? Il est probable que votre mari soit comptable, chercheur. Ou encore, c'est quelqu'un qui travaille sur. Je vois ici quelqu'un qui a une bibliothèque qui rapporte beaucoup d'argent. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est écrivain. Pour d'autres, c'est peut-être une femme qui a l'énergie d'un homme. Et puis l'homme a l'énergie d'une femme. Mais pendant qu'on a un qui travaille beaucoup, on a l'autre qui est alcoolique. Oui, c'est un parti dont je vois ici un mariage qui est sur le point de se passer par intérêt. Mais on a ici quelqu'un as well qui n'a pas vraiment envie de se marier avec une personne, mais qui ne peut pas réellement parler, qui ne peut pas réellement dire. On a ici quelqu'un qui est sur le point de signer des documents de mariage juste parce que cette personne n'a pas envie de rester seule toute sa vie. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que quand on parle d'ici d'amour, vous aimez certainement votre partenaire, mais il y a sûrement une autre personne dont vous êtes tombée amoureuse à la dernière minute pendant des fiançailles. Et vous pensez à cette personne. Vous avez envie d'être avec cette personne.
et vous êtes ici en train de réfléchir si oui ou non il est encore possible pour vous d'annuler des fiançailles, d'annuler un mariage, changer carrément de cap, changer carrément de fréquence pour aller vous mettre avec quelqu'un d'autre. Yep, told you. Oui, c'est un parti dans vous. Il est probable que vous avez envie d'annuler les fiançailles parce que vous voulez vous marier avec un autre ex. Si jamais vous avez deux ex, on a l'un de ces ex-là avec qui vous avez envie d'être. Oui, notre parti dans vous, si vous avez ici une baby-mama, vous voulez laisser votre baby-mama pour aller vous marier avec une ex. Mais je vois ici quelqu'un qui est plutôt embêté. Je suis plutôt embêtée et je suis plutôt anxieux. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois m'en sortir de cette merde et de cette gourde? Question boule de gomme. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez donc ici avoir affaire aux béliers et aux vierges. Bisous, bye.